Vous m'étonnez, Rosane. J'avais jamais entendu parler du métier de solimoquettiste. Je savais pas ce que c'était. Et c'est à une réunion d'employeurs à la NPE que... Oui, il y a une des personnes des entreprises qui était là, en fait, qui m'a tout de suite dit que les solimoquettistes, c'était couturiers du sol, donc pourquoi pas des couturières. Moi, j'ai bûché le raglage. Bûché le raglage, ouais. Et puis après, vous mettez un par à part pour la pause. Ouais. Et vous avez plongé. Décrivez-moi votre métier, Rosane. Le métier consiste à faire tout ce qui est préparation de sol, poser du plastique, du lino, du parquet, faire des raglages. Raglage, donc, qui permet de lisser le sol après une chape de béton pour avoir un sol bien plat. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. C'est où tu réussis bien et c'est nickel, ou alors il y a tout qui est à refaire, quoi. C'est vraiment poitieux, quoi. Il faut être physique, ça. Il faut être minutieux, il faut être organisé. Métier technique, donc, mais aussi physique, car on manipule des pots de colle, rouleaux, sacs d'enduit et... Ce métier-là, il n'est pas plus physique que le métier d'aide-soignante qui soulève les malades, un boulanger qui sève de bonheur. Voilà. Ça va, Franco, ça se passe bien ? Ouais, ça va. Attention, t'es un peu trop juste, là, ça, à mon avis, ça va pas souder, là. Ça me plaît, ouais, oui, comment ça me plaît, ouais. C'est bien, je trouve que c'est un métier... tu vois tout de suite ce que tu fais, ce que tu réalises et tout ça, quoi. C'est bien, moi, je trouve que c'est un bon métier. On fait les salles de sport, les hôpitaux. Après, on fait de l'entretien aussi. On fait un peu de tout, vraiment de tout, des bureaux, de tout. Il y a le petit côté féminin du métier, c'est que ça touche un peu à la déco, les couleurs, les motifs. Que lui permettent la variété des revêtements et la palette d'effets de matière et de coloris existants. Oui, Francesco ? Avec le métier-là, ouais, c'est assuré. T'as toujours du travail dans ça, c'est obligé. Et vous avez raison, Francesco. Et vous, Rosane ? Je me verrais bien manager une équipe, diriger, être chef de chantier plus tard, oui. Comme quoi, les métiers du bâtiment sont loin d'être interdits aux femmes, qu'on se le dise.